Manasse, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Bonsoir, bonjour. Chan à suspense au Cameroun. Le Maroc champion en titre accroché par les guêpes du Rwanda Amavubi. Score de la partie 0 but partout. Le Togo se relance dans la course pour les quarts de finale. Victoire sur l'Ouganda 2 buts à 1 avec en prime de très beaux buts. La deuxième journée se referme demain avec les rencontres de la poule. C'est la poule D dans la cité balnéaire à Limbé. Deux rencontres de feu. On parlera naturellement des nouvelles des Lions à prime et de la visite d'encouragement du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Déjà en poste pour le regard technique, Bertin Ewane, instructeur FIFA. Bertin, bonsoir. Bonsoir Bertin Ayarma, bonsoir à tous les téléspectateurs. Il répond lui aussi au septième appel ce soir, le chroniqueur maison Willy Essomba. Bonsoir. Bonsoir Bertin, j'ai envie de dire bonsoir Bertha avec S. Sommes en présence de Bertha, Wanet, Bertha, Yarma, comme chaque soir. Et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Dans quelques instants, les images les plus marquantes de la deuxième journée dans la poule C, basée à Douala. Bienvenue à bord. Les éperviers planent et gagnent 2 buts à 1. Les tombeurs du Nigeria en phase de qualification rêvent désormais des quarts de finale dans ce CHAN 6e édition au Cameroun. Victoire sur l'Ouganda au terme d'une rencontre palpitante et en prime de beaux buts. Willy. Et bien, pour cette deuxième sortie dans le groupe C de Bepanda, le petit pousset togolais Adame Lopion au vieil habitué ougandais sur le score de 2 buts à 1. Après sa défaite face au Maroc lors de la première journée, le Togo n'avait plus le droit à l'erreur. Une victoire était nécessaire face à l'Ouganda pour leur deuxième sortie. Chose faite, la première alerte togolaise est signée Ismaël Ouro Agoro qui place bien une tête bien cadrée, mais le portier ougandais Charles Okwago est sauvé par son défenseur Paul Mboa sur la ligne de but, ce qui rend le sélectionneur de l'Ouganda Johnny McInscry furieux. Les éperviers restent pourtant plus offensifs et plus incisifs avec un coup franc qui a bien failli cromper la vigilance de Charles Lukwago. Il est exécuté par Richard Nané. Les grues de l'Ouganda essayent de frapper à distance. On aura en l'occurrence cette action Ibrahim Orid qui passe au-dessus de la lucarne et celle de Bright Akumi qui passe également au-dessus de la cage du portier Abdoul Moubarak. À la mi-temps, 0 but partout. L'Ouganda mène à la possession de balles 53% contre 47%. Et au retour des vestiaires, on aura les buts, les meilleurs buts, les meilleurs moments de cette confrontation. La première occasion togolaise sera une occasion de but, une réalisation du défenseur Paul Mboa qui profite pour rendre hommage à Eden Koutaba. Eden Koutaba. Koutakba, autant pour moi, décédé en juin dernier, de suite de paludisme aigu. Il avait été l'un des artisans de la qualification de cette équipe togolaise à ce championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, le ballon traverse la ligne de but, le gardien n'a rien pu faire. L'égalisation ougandaise sera retentissante, on le voit à l'action. Elle est signée Saïdi Kiyuné à la 51e minute. Une frappe surpuissante décrochée à plus de 40 mètres, un but baby-foot, comme on en parlait tout récemment, qui fait résonner le son d'une casserole à 28 ans de l'Ouganda. Le joueur de l'Ouganda, revenu au Toriti, inscrit un but magnifique. Et on a le deuxième but togolais en image. Il est tout aussi beau que l'égalisation ougandaise. C'est le but de la victoire. Au final, 2 buts à 1. Le Togo se relance avec cette victoire au classement. Le Maroc est en tête avec 4 points, suivi du Togo 3 points. Le Rwanda 2 points. L'Ouganda ne compte qu'un petit point. La troisième journée s'annonce décisive durant cette compétition. On va parler de la première rencontre de la journée. Le compteur but du Marocain Ayoub El Kabi, toujours bloqué à 0.
le meilleur artificier de la dernière édition à domicile en 2018, a du mal à trouver le chemin des buts. Marocains et Rwandais se sont neutralisés, 0 but partout. Pour leur deuxième sortie dans le groupe C, les Guêpes A' du Rwanda ont réussi à piquer un point en faisant un score nul vierge face au champion antique, le Maroc. Le duel déroulé au stade de la réunification de Bépando a offert plusieurs occasions de but. La première offensive rwandaise est signée Moucha Diri Akizimana. Il décoche une frappe puissante en pleine lucarne, mais elle est déviée par Agnès Niti, le portier marocain, qui est allé lécher la barre transversale pour sortir ce ballon. Les Lions de l'Atlas, champions antiques, essaient à leur tour de trouver le chemin défilé avec des appels de balles sur le côté. Walid El Karti se heurte à une défense compacte. La défense marocaine, quant à elle, n'a rien envie à celle de son adversaire et l'intervention rigoureuse du latéral gauche, Hamza Al-Moussa Oui, suivi d'Ina Obolenga, l'illustre à suffisance. Les deux équipes sont bien en place défensivement. À la mi-temps, le Maroc domine en termes de possession de balles, 71% contre 29 côté rwandais. C'est la plus grosse marge de possession obtenue jusqu'ici depuis l'ouverture du tournoi. En seconde période, c'est le même scénario. Les Marocains pressent, mais ne concluent pas. Sofiane Hakimi prend d'assaut la surface rwandaise. Il trouve son capitaine Ayoub El Kari, mais sa frappe échoue sur le portier rwandais Olivier Guizera. Le Maroc a eu à maintes reprises l'opportunité d'ouvrir le score, mais ses attaques sont toutes timides à la finition. Abdelia Afiti, ancré à la 76e minute, crée le danger dans la surface rwandaise. Le Maroc, la Bigre, a bien failli siffler un pénalty, mais l'intervention du défenseur rwandais Thierry Nanzi était impeccable. Il touche d'abord le ballon. Nous avons cette action en image. L'attaque rwandaise réagit par la suite à son tour, mais la tentative de Bertrand Ira Dakunda sera déviée par la défense. Les autres tentatives sont captées par Agnès Nziti. L'occasion de but marocain, très vigilant sur sa ligne. Les Lions de l'Atlas relancent les offensives, mais à chaque fois, elles se heurtent à une défense rwandaise mise à bloc par le coach Vincent Machami. Par la suite, le Maroc essaie par tous les moyens de percer le but rwandais avec une belle tentative du défenseur Sofiane Bouftini. Dans le dernier quart d'heure, le Rwanda déroule du beau jeu et avec des talonnades à l'aveuglette, on l'a vu tout à l'heure. Au final, 0 but partout. Les deux équipes se neutralisent, ce qui n'est pas favorable pour ces deux équipes pour la suite de la compétition. La décision se fera lors de la troisième et dernière journée de poule. Merci pour cette synthèse. On se retrouve demain pour parler cette fois de la poule D basée à Libé. La minute analytique avec notre expert Bertin Ewane. Quelles leçons tirées après la deuxième journée dans la poule C? Bien entendu, d'abord que dans cette poule, personne n'est qualifié et personne n'est encore disqualifié ou bien éliminé de la compétition. Et donc, ça nous laisse deux matchs d'une intensité vraiment à deux matchs finales. Deux matchs de finale qui vont beaucoup nous intéresser lors du prochain match. Alors la deuxième leçon, c'est que effectivement les entraîneurs ont mis en place des stratégies, ils ont réorganisé leur équipe d'abord et ça aboutit à ce que nous avons vu un match vraiment compact, serré, même si Vous parlez du match Maroc contre Togo, on a bien compris que la possession ne vous donne pas automatiquement la victoire. On a bien compris que c'était une stratégie, mais c'était une organisation mise en place par le technicien togolais. Laisser la rwandais. Possession. Non, togolais. C'était rwandais. Pardon. On a bien compris que la possession ne fait pas la victoire. Et surtout que le coach rwandais, il a laissé la possession à l'équipe du Maroc. Et a mis en place un bloc équipe bas pour permettre à l'équipe, bien entendu, de surprendre par les attaques très rapides et ça. Donc, il y a eu, au final, une confrontation de style de jeu. C'est-à-dire que le Maroc avait la possession de balles, il procédait par les attaques placées, ensuite cherchait à déséquilibrer le bloc adverse.
Mais le Rwanda, dès qu'il recevait le ballon, dès qu'il récupérait le ballon, c'était un ballon vers l'avant. Et ça mettait bien entendu la défense marocaine à rude épreuve. En tout cas, tout ça ira donc. Un très bon match. À la dernière journée, avec Maroc, Ouganda et Togo, Rwanda. Tout à fait. À la fin, nous aurons donc une très bonne finale, les prochains matchs entre les Marocains et les Ougandais. Et bien entendu. Avec un léger avantage pour les Marocains. Oui, léger. Mais on a bien compris que tout le monde est à 50% de chances de se qualifier. On revient tout à l'heure pour parler tout à fait d'autre chose. Figure du jour, une dame, Françoise Ntepa Nda, arbitre instructeur FIFA, responsable du corps arbitral féminin de la CAF. Le CHAN est certainement une autre occasion de rodage, une autre occasion de mise à jour. Suivons plutôt cet entretien mené par Monique Félicité Tuen. Je suis Nda François Tempa, je suis représentante féminine dans le panel des experts techniques de l'arbitrage de la CAF. Donc je m'occupe du développement de l'arbitrage féminin. Alors, le département de l'arbitrage qui faisait déjà un énorme travail, j'ai été nommée seulement il y a un an. Et voilà, je travaille sous le directeur du département de l'arbitrage. Et j'ai aussi des dames qui m'entourent. J'ai mis en place une équipe de dames instructrices de la CAF avec qui je travaille pour le développement de l'arbitrage de l'arbitrage féminin de la CAF. Au début, je jouais un peu au foot. Vous savez, le football en Afrique, c'est maintenant le football féminin en Afrique, c'est maintenant qu'il se développe. Dans le passé, ce n'était pas vraiment, c'était pas un truc de femme. Alors, j'aimais beaucoup le football et je jouais souvent avec les garçons, à l'école surtout. Et j'étais souvent la seule femme à jouer avec les garçons. Et comme vous le savez, les garçons sont plus robustes, ils sont plus forts que nous. Ils me bousculaient de temps en temps, je tombais. Parfois, on me demandait ce que je foutais dans l'équipe. Alors, un jour, le coach m'avait demandé que je peux devenir arbitre en leur imposant les lois du jeu, c'est-à-dire en leur demandant de respecter les lois du jeu. Et c'est alors que j'avais essayé, j'avais pris le sifflet. Et quand j'avais commencé, parce que je ne maîtrisais pas les lois du jeu, je sifflais n'importe comment, c'était vraiment la catastrophe. Et on m'insultait même. Mais je ne m'étais pas découragée parce que j'avais commencé à voir les toutes premières dames qui étaient arbitres, qui ont été arbitres internationales. Je les voyais à la télé. Et donc cela m'inspirait beaucoup. En m'amusant à siffler, cela me donnait du goût. Et c'est ainsi que je m'étais renseignée. Il y avait des instructeurs par département qui donnaient des cours d'arbitrage. Et j'étais allée m'inscrire. Et c'est ainsi que j'avais commencé à suivre les cours. Et j'ai passé des examens, j'ai obtenu les différents grades qu'il faut. Et j'avais eu la chance d'être promue internationale. J'ai fait beaucoup, disons quelques Coupes du Monde. Les Coupes du Monde féminines des moins de 20 ans et aussi des seniors. J'ai fait au total 4 Coupes du Monde des moins de 20 ans et 2 Coupes du Monde des seniors. Et j'ai fait aussi 3 Jeux Olympiques. Wow. Donc c'est quand même un parcours intéressant. Mais il faut dire que quand tu n'as pas le soutien, de ton pays, de la CAF, si tu n'as pas le soutien de tes collègues, le soutien des instructeurs, tu ne peux pas avancer. Bertin Iwanet, l'arbitrage au féminin, tout comme le football féminin qui évolue, qui n'est plus simple folklore, c'est à encourager. On voit des dames de plus en plus impliquées dans les compétitions masculines, comme c'est le cas au CHAN. Il y a des dames qui pourraient officier comme... du moins une dame comme centrale. Comme centrale, oui. Justement, ça fait partie des programmes de développement implémentés par la FIFA depuis la Coupe du Monde 2015 au Canada.
on voit dans un certain nombre de pays des programmes de développement qui sont implémentés par la FIFA et que les pays sont en train de faire suivre. Et donc c'est une très bonne opportunité pour les femmes également de pouvoir régulièrement s'exercer et s'exercer à un certain niveau. Vous savez que pour la FIFA et pour les confédérations aujourd'hui, c'est de parvenir à un équilibre entre les compétitions dans tous les sens, féminines et masculines. Et on espère que cela également va se faire au niveau de l'entraînement pour qu'au niveau des bancs de touche, il y ait de plus en plus de dames. Ça se voit déjà ailleurs, mais pas encore au Cameroun. L'entraîneur national de football, je dis l'entraîneur national de football féminin au Cameroun, les Lions. C'est un monsieur. Si. Donc, non, nous avons déjà commencé, déjà depuis 2012, avec, vous connaissez certainement notre jeune collègue Fumun Victorine. Elle était au banc, elle a fait le banc du Dragon de Yaoundé. Il y a un certain nombre de filles, de femmes, de dames comme ça qui ont commencé dans les championnats au niveau des régions, départements, qui entraînent déjà avec les hommes. Donc, il faut leur donner du métier, il faut être patient, il faut continuer à les former, il faut continuer à leur donner la possibilité d'encadrer le football jeune pour que, après, que la transition au niveau des sélections nationales, ça se fasse en douceur. On se retrouve après cette respiration. Petite vedette du CHAN, peut-être champion de demain. 40 ramasseurs de balles recrutés dans les lycées et collèges de la capitale camerounaise à Yaoundé, aussi bien entraînés pour les besoins de la cause. Incursion dans l'univers de ces stars en herbe. Un reportage de Daoud Mouliom. Ce sont des stars d'un jour ou d'une circonstance. Leur rôle, porter des drapeaux, accompagner les joueurs lors de leur entrée sur les stades, mais surtout ramasser les balles pour faire gagner en temps au cours des matchs ou des compétitions. Ils sont une quarantaine des jeunes triés sur le volet venus des différents coins du triangle national et désormais sous l'encadrement de la Confédération africaine de football. Et dans le cadre de cette édition de CHAN Total Cameroun 2020, ils viennent de différents horizons pour témoigner leur patriotisme, mais également leur attachement et leur passion au football. Allons faire un tour dans cette commission baptisée Commission en charge des compétitions. Allons voir comment ils s'organisent, d'où est-ce qu'ils viennent et quelles sont leurs motivations. Ils font partie du jeu, même si disposés hors des aires de jeu. Leur rôle contribue à embellir l'événementiel sportif, mais aussi à gagner en temps de jeu réel lors des matchs. Ramasseurs de balles, ainsi les appelle-t-on souvent, même si leurs missions vont bien au-delà. Bon, on a été formés à apporter les drapeaux pour l'entrée du match et à ramasser les ballons, à remettre le ballon en jeu quand il sort du stade. On nous a appris à porter les drapeaux, les porte-étendards, les ramasseurs de balles d'un côté. Depuis que je suis là, j'ai appris à porter les drapeaux, à apprendre à ramasser. Ils sont l'une des principales raisons d'être de la commission des compétitions dans le cadre du Total CHAN Cameroun 2020. Ça nous rassemble tous parce que nous sommes venus un peu de partout dans le Cameroun. On a toutes les tribus et tout. Donc ça met une ambiance chaleureuse déjà dans le vestiaire. Ça nous permet de renforcer aussi nos liens. Ça nous permet d'agrandir notre conscience et aussi de nous familiariser. J'ai rencontré beaucoup d'amis là, on a fait connaissance et la famille a grandi, c'est bien. Ça nous fait le vivre ensemble, nous sommes heureux d'être devenus des amis jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres qui sortent de Garoua, Douala pour venir ramasser juste ce CHAN. Et nous sommes heureux d'être ensemble. C'est d'abord une harmonie en fait. Côtoyer des enfants qui viennent d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble en fait. Être avec d'autres Camerounais qui viennent d'autres villes, faire un même job, puis à la fin rentrer, étant fier d'avoir participé à une compétition comme le CHAN. Leurs aptitudes d'aujourd'hui sont les fruits d'un travail mûri et discipliné. Environ 3 mois cumulés d'entraînement intense avant la compétition et une séance au moins avant chaque match. Les filles se font rares, pourtant elles ont bien des places. Ces 40 jeunes passionnés du foot se plaisent bien dans cette expérience inédite. Les motivations sont diverses et parfois semblables. Et si j'ai voulu être ramasseur de balles à cette compétition, c'est parce que de base, j'aime d'abord le football. Et vu que j'ai, depuis petit, je joue au ballon, ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de nos grands frères qui sont déjà ramasseurs. J'ai décidé d'être ramasseur de balles
pour servir mon pays parce que je voudrais que la CAN se passe bien. On peut pas expliquer la joie qu'on ressent. La joie qu'on ressent en fait d'être dans cette ambiance. Parce que, par exemple, quand notre équipe marque par exemple un but, c'est vrai que nous devons être neutres, on ne peut pas jubiler, mais dans le cœur, ils sont vraiment contents parce qu'il y a une grande ambiance au terrain. Depuis des petits qui voyaient les enfants ramasser, j'étais fier. J'aimerais y participer pour devenir ce ramasseur comme eux, pour voir aussi les professionnels de mon pays. Ramasseur de balles d'abord, c'est un rêve en fait. C'est pas comme si tu quittes du quartier, tu arrives quelque part où tu ne connais pas. Le football d'abord, on aime d'abord ça. Ramasseur de balles, c'est d'abord un footballeur en fait. C'est ce qui nous motive à venir travailler. La pandémie du Covid-19 a contraint à aller voir au-delà des 18 ans maximum habituels. Aussi, des étudiants se joignent-ils aux élèves. Les accompagnateurs de joueurs, il n'y en aura pas cette fois-ci. Distanciation sociale oblige. Avec passion, ils prouvent leur patriotisme et jouent bien leur partition, non loin des personnalités et stars du football qui font vibrer tout un continent, l'Afrique. Ramasseur de balles, oui, mais footballeur d'abord. On a vu certains champions d'aujourd'hui passer par là. Oui, disons que c'est une étape qui suscite la vocation et c'est une très bonne chose que ce soit de plus en plus organisé autour des jeunes joueurs qui sont déjà licenciés dans des équipes. Et au-delà, ça permet qu'ils commencent à se frotter à leurs idoles et de voir à peu près la motivation qui est celle du joueur à un certain niveau. Le joueur de compétition. Le joueur de compétition, bien entendu. Les Lions A', les nouvelles à présent. 3 joueurs toujours à l'infirmerie. Le reste du groupe reste d'attaque. Le reste du groupe est donc d'attaque pour le match de dimanche. Ce sera face au Burkina Faso, un choc de feu. Et le ministre des Sports et de l'Éducation physique était dans la tanière pour galvaniser les troupes aujourd'hui dans le cadre du réarmement moral. Le point avec Roméo Nkeni. The entire squad mobilized for the one but last training session prior to Sunday's game against the Stallions of Burkina Faso. Conspicuous to witness the warm-up, Sport and Physical Education Minister, Professor Narcisse Muolekwambi. The august guest is around with a message of solidarity, confidence and determination. Ahead of the confrontation, he has extended the president's encouragement to the selection. Keeper Hashu Keredo has been hailed for his prowess in previous matches. Friday's one-hour gathering at the Olembe Annex A Stadium permitted team trainer Martin Tungumpile to amend certain modifications. The coaches had only put in place the strategy of the Sunday match. It's a tactical mise en place today. 3 lads in the likes of Jacques Zoua, Junior Fede and Junior Dede are undergoing convalescence from pains. Jacques Zoua, who still have a small pain on his hip, so you have to fix it before Sunday. Preceding the training, COVID-19 tests for players were carried out at the hotel. The Intermediate Lions of Cameroon need a win or at least a draw to pick a quarterfinal ticket. Un nul, une victoire pour faire l'affaire dimanche. À 48h du décisif Cameroun contre Burkina Faso, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, je l'ai dit, est allé porter au Lion le message d'encouragement du gouvernement et le soutien du peuple, des supporters. Le ministre Narcisse Muolekwambi dans cet extrait sélectionné par Évariste Eyenga. Un match n'est jamais gagné tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie. Donc la pression conquérante doit être maintenue jusqu'à la dernière minute. Pas de relâchement. L'idéal serait que, une fois que vous avez marqué, vous vous efforciez à conserver l'avantage, à approfondir et à consolider l'avantage, c'est-à-dire à creuser l'écart entre vous et l'équipe adverse. Et pour moi, l'écart le plus sécurisant, c'est au minimum 2 buts, au minimum. N'oubliez pas que le match de dimanche est un match crucial. Le ministre est dans la tanière pour motiver les troupes. Oui, aucune motivation n'est de trop.
dans ce contexte et dans cette situation. Je pense que le ministre est dans son rôle d'apporter d'abord la sécurité psychologique et mentale aux joueurs, de les apaiser et de leur dire que, comme il a dit, de leur assurer que la nation est derrière eux. Mais surtout, vous savez que la motivation la plus importante pour les joueurs, c'est ce qui entre dans les cagnottes. Et donc, la présence du ministre également a pour objet de renforcer cela. Mais je pense que c'est une très bonne chose que le ministre soit parti remobiliser ces troupes-là. Encore 3 joueurs dans l'infirmerie et parmi ces joueurs, le capitaine des troupes, Jacques Zoua, à 48 heures d'un match important comme celui-là, on commence à envisager peut-être des solutions de rechange. Oui, d'ailleurs, le coach a un panel de 33 joueurs. Et dans ces 33 joueurs, il a forcément les préférences. Personne n'aimerait bien être à la place du joueur qui subit un traumatisme après un match. Mais si l'entraîneur est contraint à changer par rapport à la période de convalescence du joueur, il sera bien entendu obligé de prendre dans le panel qui lui reste pour pouvoir trouver la perle qui pourra lui débloquer le prochain match. Une petite respiration et nous mettons le cap sur l'Imbé qui abrite la poule D qui sera sur scène demain. We are champions.